sont simplement des personnes qui ont un peu plus d'intelligence pour comprendre qu'ils sont entourés de poules et qui vont prédire le futur parce qu'ils savent très bien que quand c'est 10, 5, 10, 15, 20 ans, ils passeront à autre chose. Et peu importe si jamais on leur met le doigt sur ce qu'ils ont prédit en 2022, parce qu'ils seront passés à autre chose. Mais on est très peu entouré d'intelligence, surtout en rapport avec tous ceux qui s'expriment sur des plateaux, dans des salles. C'est très, très moyen. Très moyen. Le moyen étant donc quelque chose qui est assez répandu, c'est très facile d'être moyen. Très facile. C'est plus difficile d'être numéro un ou dernier. Ça va, Pivot Jack ? Tu parlais de l'idéologie de Saturne ? Pas du nouveau mot qu'on vous a mis là pour que vous ne cherchiez plus à y réfléchir. Alors, Goldie, t'es une belle femme et t'as été toxique quasi toute ta vie. C'est-à-dire, t'as fait tourner les têtes ? Quel est le job qui ne pourra pas être remplacé par une machine ? Aucun. Aucun. La seule différence pour que vous puissiez ne pas être remplacé, c'est d'être vous-même votre propre patron. Parce qu'il y en a beaucoup qui racontent n'importe quoi, parce qu'ils peuvent raconter n'importe quoi, entourés de poules qui peuvent gober n'importe quoi. La seule différence pour ne pas être impacté par la machine, il faut vous-même être votre propre décideur. Si vous travaillez pour quelqu'un, tôt ou tard, on vous remplace. Tôt ou tard. Une pensée du respect pour les GJ 2018 et ceux de 2019, 2020, 21, 22. T'as eu une vie alternative. Ça veut dire quoi ? T'es pas sur du courant continu ? Ça veut dire quoi, t'as une vie alternative ? On peut tous vous remplacer, tous. Tous. À partir du moment où vous bossez pour quelqu'un, tôt ou tard, on vous vire pour vous remplacer par une machine. Tous. Tous, tous, tous. Mais bon, ça, c'est pas quelque chose que vous voulez écouter. Et puis, c'est pas ce qu'on vous raconte non plus, forcément. On va vous dire, il faut se rapprocher de l'IRA. Oh, il y a des trucs très créatifs, ils pourront pas. Qui c'est qui te l'a dit que t'étais une belle femme ? Oh là là, il y en a qui vont se défouler, là. Merci de nous récupérer et de nous retrouver sur ce nouveau direct cette semaine, ce mardi 16 août 2022. On est entré dans une rentrée un peu particulière. Bref, MK Ultra. Ah ok, tu décides pas. T'es l'infomane ou tu décides pas en fait ? Ouais, c'est une bonne excuse hein, pour pas dire que c'est ta faute. Ok, t'es dirigé à distance. T'es une pile quoi. MK Ultra. Ok. Bah, il y a beaucoup qui le sont. Vous êtes surveillé depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. Bah, on ne l'imagine même pas, on est trop petit pour ça, on n'arrive même pas à l'imaginer, on a même du mal à imaginer. On ne veut plus faire d'efforts, on est en décentré, on a un cerveau qui n'est même pas complètement dans notre corps. De plus en plus, nos outils, nos machines nous permettent de garder le contact et le souvenir. Si tu fais un métier où les relations humaines sont fondamentales, tu ne peux pas être remplacé par une IA. Ouais, il y a peut-être des exceptions. T'es qui, invisible ? T'es invisible, mais t'es qui ? L'être humain est fichu. Non. Non. Les poules sont les poules, et puis elles resteront des poules, c'est tout. Je parle pas des femmes. Hein. Les poules, toutes ces personnes qui se laissent aller et qui veulent pas trop se dépêcher, s'affranchir, se fatiguer, se prendre la tête... Au début des années 60, pour soyer les gosses, t'écris pas très bien, j'ai rien compris. Hein. J'ai pas compris. L'âme est extérieure. Ah bah, vous avez des certitudes, c'est pas très sage. Erwan, c'est pas très sage, les certitudes. T'as ramassé ces verres invisibles ? Tu t'es rendu invisible ? Tu t'es pris combien de casseroles alors ? On ne remplacera pas l'humain qui prendra soin d'un autre humain. Anthony, vivement que les médecins et les journalistes soient remplacés alors. Non mais ça n'existe pas un journaliste. Ça existe un journaliste ? Ça existe ce boulot-là ? Ouais, quand on dit journaliste, bah dites-moi qui, parce que là, je sais même pas si ça existe encore. Mais je vais pas me faire des amis, mais je suis pas là pour, je m'en fous. Facebook, YouTube, tu diffuses où aussi ?
Mais toi, j'aime pas ton pseudo. Dans pas longtemps, je te viens. C'est dommage. Hein. Pour qui tu te prends, toi?